Jeden jest taką kompazą. Belle pénétration et le premier panier de ce match en défense par Isli. Le aller-oup tout de suite pour Papayanis. Premier panier du Pana. Patiente, mais il lui reste 5 secondes. On va trouver Dobrich pour enchaîner de près comme de loin. Odien Dobrich. Pazzo qui s'est enfermé, va faire l'effort, revenir dans l'axe. La bonne passe dessous et la patience de Ben Bentil. Et Marius Grigonis va quand même insister en solo. Sans faute, ça va quand même bénéficier une deuxième fois au Pana grâce à Mateusz Ponitka. Bonne passe. Qui voyage, mais il y a zéro décalage pour Papayanis finalement qui égalise à 7 partout. Décalage en nouveau tir à 3 points, cette fois-ci c'est bon pour Ben Bentil au 3ème essai. Donc, il reste court malheureusement sur son double pas de l'autre côté. Oh, froid et clinique. 5 secondes. Et on va trouver Hassan Martin qui doit se resituer. Shooter au buzzer, la claquette est bonne. On a joué le dernier ballon, il y a une seconde d'écart entre les deux horloges. Une faute à donner peut-être pour l'étoile rouge. Ils ne vont pas la donner, ils vont concéder le panier. En revanche, pour Nemanja Nedović qui a décidé qu'aucun coéquipier ne toucherait le ballon sur cette action. Nedović qui fait sauter, qui se décale, qui marque le double point marqué. Encore un petit coup de sifflet, une poussette là clairement sur la ligne de fond. Le tir à 3 points ne rentre pas. Il va avoir une deuxième chance. Matt Thomas qui se rapproche, 4 mètres. Là c'est bon. Markovic sur Campazzo. C'est très bien fait. Grigonis. La bonne passe de volée pour aller trouver. Allez, Ponitka à l'opposé va récupérer. Sans doute jouer avec un Papayanis qui se fait la place une fois et qui conclut avec le contact. Papayanis. Il est passé le décalage. On a préféré s'approcher, on l'a bien fait. Ivanovic. Ivanovic. Ça s'avère parfaitement à l'intérieur. Ils ont pris 13 points d'avance. Les joueurs de l'étoile rouge, très tranquilles dans ce match. Derek Williams. Allez, ça va très vite dans le coin. Pour Derek Williams, voilà. Ljubic va trouver un relais à 3 points avec Philippe Petroussev. Un beaucoup de rythme. Et pour l'instant, 13 points d'avance pour l'étoile rouge. Même si Paris Lee va avoir l'opportunité de faire revenir son équipe, ce qu'il fait juste avant le buzzer. Ils font Petroussev. Allez, un peu la possibilité de courir peut-être pour le Pana. Ça termine quand même dans le cercle avec Mateusz Ponitka, mais ça a été plus compliqué que prévu. Grigonis. Allez, bonne passe. Hein. Bon service. Récompensé dans le coin par Matt Thomas. Allez, on voit un peu plus de ça. Il fait le tour, décale un shooter et ça fait ficelle pour Stéphane Markovic. C'est facile, le basket. Compazzo s'appuie sur à l'intérieur, la faute, le panier pour Petroussev, servi par Onyen Kuzmic.
Le allez où conclut doucement, gentiment, par Papa Yanis. Messi, oh, qui est chassé par deux joueurs, il envoie quand même au alley-oop Papa Yanis. Ponedovic. Ah, il faut en profiter. En tout cas, ça doit être accordé, ça, bien sûr. Ici, il y avait un panier qui tombait, là. Un panier à 3 points, par exemple, pour Matt Thomas. Ça va pas au bout. La faute réclamée ne viendra pas pour Campazzo. Au contraire, le Panac accélère. On tire à 3 points peut-être pour Derrick Williams. Ils sont à moins 2. Pas de faute pour Nate Walters. Ce qu'il trouve Papa Yanis dessous au buzzer, c'est accordé. Le Pana pour la première fois du match après 31 minutes pour les commandes. Osé, trop osé de Vildoza qui a une deuxième chance, qui reprend de loin, qui ne marque pas. Papa Yanis, ballon en main, ils sont perdus les joueurs de l'Étoile Rouge. L'Étoile Turf pour enchaîner. Et oui, ça rentre. Et si le Pana avait de quoi revenir, on était inquiets. Maintenant, c'est... Est-ce que l'Étoile Rouge... Ah, un peu... Oui, un peu... On va décaler Ponitka qui se resitue. Avec Williams, ballon toujours en main. 6 secondes. Grigonis, le step back. Incroyable, Marius Grigonis. On est à 7 sur 23, donc 6 sur 9 en deuxième période. L'interception de Parisli. Filou qui file au cercle. Plus 6. Et 6 matchs à jouer, nouveau ballon perdu. Parisli qui va trouver dessous. Derrick Williams qui marque avec le contact. La faute. Parisli. Il va jouer ce ballon par Isli, va s'arrêter, il n'y a pas de marché. Ponitka, ça va tomber, 73-60 plus 13 pour le Pana, 29 points d'écart entre le point le plus bas et le point le plus haut. Vildoza, bah ouais, mais qu'est-ce que c'est tard? Qu'est-ce que c'est tard pour Luka Vildoza, 20 points. Dernière attaque pour l'Étoile Rouge avec le dunk de Luka Mitrovic, mais bien trop peu, bien trop tard. Pour les Serbes. Et Grigonis peut laisser filer le chronomètre. 75 à 66. Plus 9 pour le Pana. 9 comme le nombre de victoires des Grecs cette saison en Euroleague. Le duel final